Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vos As par Balles. Et aujourd'hui on va s'intéresser, il y en avait certains qui m'avaient demandé d'en faire, donc je vais commenter un replay d'artillerie. Vous attendez pas à ce que je le fasse non plus tous les jours, là c'est exceptionnel. Donc un replay d'artillerie avec l'AMX 13F3 contrôlé par Monsieur You 2000, que vous connaissez pour ceux qui viennent sur Twitch, vu qu'il fait régner l'ordre et la loi sur Twitch. Donc You va nous faire une démonstration avec son artillerie de rang 6 française, une artillerie qui est très très précise. Elle est super précise, cette artillerie. Elle fait des doses qui font quand même assez mal, puisqu'elle fait du 950 de moyenne. Après, vous avez un plus ou moins 20%, donc ça peut faire plus, ça peut faire un peu moins, pour une pénétration de 90. Par contre, ça n'a pas un gros splatch, d'après ce que je connais. Donc là il tente un blind, un blind total, vu qu'il n'y avait rien qui était spoté, mais on sait jamais. C'est souvent aussi, c'est pour ça aussi que les gens râlent parfois, c'est parce que les artilleurs tentent des blinds, mais les artilleurs, les bons artilleurs connaissent les endroits où vont s'arrêter les chars, où les chars vont faire des arrêts, où les chars vont se mettre à l'affût d'une proie. Alors, par contre, ici, nous avons un petit, enfin un gros centurion, une cible difficilement loupable, on va dire, vu que c'est quand même assez gros. Yuk attend bien que le réticule arrive au minimum et lui le balance une dose. Par contre, ça ne fait pas un max, ça ne fait que du 240 de dommages. Une petite dose, on va dire, une petite dose pour cette artillerie. Et un nouveau char qui est spoté. Un 112 qui est spoté. Yuk est en train de recharger. Va-t-il réussir à mettre sa dose? Parce que c'est ça aussi l'artillerie. C'est que quand vous tirez, vous ne savez jamais où va atterrir la dose et si elle va toucher. Voilà, une belle dose là. Il a fait du 500, me semble-t-il. De dommages. Par contre, vu que son copain vert est le seul copain qu'il avait, non pas que Yu n'a pas d'amis, mais le seul copain qu'il avait dans la partie, le long de la rivière, en fait, bah, il est mouru ce copain là. Donc You se précipite, part en courant, prend ses jambes à son cou pour partir et pour se mettre à l'abri, vu que les rouges arrivent derrière lui et qu'il n'y a plus personne entre lui et les rouges. C'est ça aussi, être artilleur, c'est ceux qui jouent arty savent très bien qu'il faut avoir toujours un œil sur la minimap pour être au courant de ce qui se passe et pour pas se faire surprendre, notamment par les petits chars légers, ou les gros chars légers d'ailleurs, enfin, par les scouts qui pourraient débarquer sans prévenir et vous tuer tout simplement. Donc il va se mettre à l'abri, le T-32 qui est à la terrasse. Il regarde rapidement en vue satellite pour voir où sont les ennemis. Il s'arrête même pas pour le faire. Il va se positionner, je pense, derrière le T-32. Voilà, on voit le 112 qui apparaît là-bas. 112 qui a eu une grosse dose, une très grosse dose. C'est qui lui a mis une si grosse dose que ça? C'est peut-être l'artillerie, tout simplement, le M40 ou alors le RHM qui lui ont mis une très grosse dose. Il ne reste quasiment plus, voilà. Il a été fini par le M40-43, donc l'autre artillerie, donc ça devait être le RHM, qui est positionné en H7, qui avait dû mettre une très grosse dose au 112. Nouvelle dose de You qui a réussi à faire un 400 et en plus a mis le feu, à l'Indien qui n'avait pas son extincteur. C'est pas bien de se moquer, You. C'est pas bien. C'est pas bien de chambrer les adversaires qui n'ont pas pris d'extincteur. Donc il reste en position. Le RHM qui s'avance pour voir s'il reste encore quelqu'un. Mais a priori, il ne doit plus rester grand monde, je pense. À moins que... non, a priori, il n'y a plus personne. Hein. Du côté de la base, ils sont en train d'attaquer. Les deux équipes sont un peu dispersées. C'est pas très homogène. Le T-32 qui est un peu à la ramasse derrière, là, qui était resté. Mais du coup, maintenant, il est beaucoup trop loin de l'action. Oula, le char qui vient de sauter. T-34-85 qui a été eu par le Panther 8-8. Panther 8-8 qui l'a chargé littéralement. Yu qui peut pas tirer, qui est embêté par la falaise. Il peut pas tirer à cause de la falaise. Là, le Panther 8-8, s'il voulait
S'il voulait, comment dire, se mettre à l'abri de l'artillerie, il suffisait qu'il se rapproche de la falaise pour éviter le tir de l'artillerie. Un AMX AC-48, Yu va-t-il réussir à lui mettre la dose? Il est en train de recharger pour l'instant. Il faut pas que le AMX AC-48 bouge. Surtout, ne bouge pas, petit AMX AC-48. Ne bouge pas, ne bouge pas. Il tire. Et il fait la dose maximale, je pense qu'il a fait un amourak carrément, sur l'AMX AC-48 qui a été one shot, ce qui est quand même assez rare, hein, il faut le dire. C'est pas bien, You, de chambrer les rouges. C'est pas méchant en même temps. Alors, l'AMX AC-48, un deuxième AMX AC-48, celui-ci est faible et You peut pas lui tirer dessus vu qu'il est derrière la falaise. Il ne veut pas du tout. Est-ce qu'il va? Non. Il a été eu par le T-34. Le T-34 qui l'a fait sauter. Du coup, il ne reste plus qu'un Lorraine. Une Lorraine qui est en train de se promener quelque part. Ça va assez vite, ces bêtes-là. Et un KV-13 qui se promène aussi quelque part. Le KV-13 était au milieu de la map. A priori, ses copains verts s'avancent mais ne voient rien. Donc le KV-13 n'est pas là-bas. On peut voir aussi qu'il y a un Sturer Emil, que Emil est en train d'avancer vers le milieu, que le M40-43 est en train aussi d'avancer. Seul You reste en position près du cap, en train de surveiller. Le T-32 est en train de s'avancer vers la zone où habituellement est l'artillerie. Va-t-il spotter là où est en train de regarder You? En fait, il y a un petit creux. Voilà, il y a un petit creux. Et du coup, souvent, les artilleries se mettent là-bas. Et one shot 2 sur l'artillerie adverse également. Donc deux one shot sur cette partie. Très belle partie. Chanceux sur ce coup-là avec le RNG, avec le facteur aléatoire du jeu. Vu qu'il a réussi à faire quand même deux one shot, dont un Amorak sur la MX AC-48, me semble-t-il. Va pas tomber, You! C'est haut, et en plus, je crois qu'en bas, il y a de l'eau. KV-13, KV-13 qui a été spoté, KV-13 qui est sur la route le long de la rivière, qui est en train de s'avancer. Il a été spoté par le Sturer Emil. Par contre, il doit savoir qu'il a été spoté, donc il va se méfier. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va s'avancer? Est-ce qu'il va pas s'avancer? Les deux lourds qui sont en train de caper. Les membres de l'équipe leur demandent de pas caper vu qu'il ne reste plus qu'un joueur en face, ce qui serait effectivement possible de l'avoir vu qu'ils sont quand même 1, 2, 3, 4, 4 roulants et 2 artilleries. Ce serait quand même possible d'avoir le dernier rouge. Voilà, dernier rouge qui a été spoté, la 43 qui fonce dessus, mais la 43 qui a sauté. Bah oui, KV-13, c'est un bon char, le KV-13. Ça fait ricocher pas mal de tirs, c'est un canon correct. Non, un bon char, le KV-13. À la limite, je dirais qu'il est. Je le dirais même un poil supérieur au T-43, qui est son cousin, son frère russe. Yu qui tente un tir. Un tir. Non, va pas sauter, tu vas te faire mal. Non, va pas sauter. Voilà, donc un blind, il a tenté un blind sur le KV-13, par contre le KV-13 a pris ses chenilles à son cou et est parti dans l'autre sens. Le T-32 qui est en train de s'avancer là-bas le long de la corniche, on le voit sur la minimap. A priori, le KV-13 est en train de revenir vers le cap des Verts, mais que va-t-il faire? Ça, c'est la bonne question. Va-t-il essayer de jouer le temps et essayer de se cacher le temps que le compte à rebours arrive à zéro pour essayer de décrocher une égalité? Ou est-ce qu'il va essayer d'affronter les Verts et éventuellement essayer de venir tuer les artilleries vertes pour récupérer quelques points de dommage en plus? C'est la bonne question. Pour l'instant, il n'est pas spoté. Où va-t-il apparaître? Là est le mystère! Suspense. Voilà, le KV-13 qui est apparu, qui a été spoté par le Sureur Emil, je pense. Je pense pas que ce soit You qui l'ait spoté. Vas-y, tire, 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 tire. Loupé. Il a loupé le tir. Le KV-13. Le tir était bien. Il avait bien anticipé le tir. Le tir était bien anticipé. Par contre, l'obus n'est pas du tout tombé sur la trajectoire. Par contre, il était bien anticipé de ce point de vue-là.
KV-13, il a activé la visée automatique, on a entendu le tireur dire qu'il était prêt, donc la visée automatique est toujours activée tant que le chat est visible, voilà, il est plus visible, donc la visée automatique n'est plus activée. Yu qui essaye de se mettre en position pour tirer sur le KV-13, le KV-13 qui est présent. Il a utilisé la visée automatique. Il réactive la visée automatique. Mais le KV-13 qui repart. Donc du coup, il la repère de nouveau. Il la réactive. Il tente le tout pour le tout. En équilibre sur une chenille. Il tire. Il met le feu au KV-13. Et le KV-13 qui a été uf. Tir totalement épique avec une chenille en l'air de la part de Yu sur ce dernier, sur ce KV-13 qui traînait, qui était venu. Mais je pense que le KV-13 avait dans l'idée d'essayer de venir chercher des artis pour essayer d'engranger un peu plus de dommages. Et Yu l'a brillamment arrêté en lui mettant une belle dose et en lui mettant le feu. Donc un as du char, un gros calibre. Où est-il point de vue, gain d'expérience. Voilà, je mélange tout. Point de vue, gain d'expérience. Où es-tu? Eh ben, il est premier, point de vue, gain d'expérience avec 4 kills en plus. 3718, 2 dommage, et ensuite point de vue gain de crédit, bah, vous voyez par vous-même. Et après cette démonstration d'artillerie faite par Yu, on se retrouve dans l'AMX 50 Foch 155 de tank basse. Ou de tank bas. Tank basse, on va dire tank basse. Donc tank, ou tank tout court, on va l'appeler tank tout court. Tank tout court. Donc tank tout court est à bord de son char et se dirige paisiblement sur El Alouf alors qu'on est en bataille impromptue. Donc il y a un seul drapeau à capturer. Il se dirige vers le haut, la map tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien pour l'instant il s'avance paisiblement dans la pampa désertique. C'est pas la pampa désertique. Dans la pampa c'est en Argentine. Dans le désert désertique, dans le désert chaud, dans le désert chaud et brûlant. Ouais, c'est plus mieux ça. Dans le désert chaud et brûlant, il s'avance avec son Foch 155. Foch 155 qui a un barillet de 3 obus, qui est un chasseur de chars tier 10 français. Fabriqué. Non, il n'a même pas été fabriqué. Je crois que c'est un prototype qui n'a jamais existé et qui a été uniquement sur plan papier de mémoire. Après, vous allez peut-être me contredire, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de prototype de ce char-là. Hein. Tout simplement. Donc il s'avance, il va prendre position ici dans cet endroit bien connu qui permet de tirer sur ceux qui traversent en face et éventuellement de tirer sur ceux qui sont sur la droite mais qui bloquent le passage complètement. Un char qui s'avance, Conqueror, il a eu en activant la visée automatique, il a 3 obus, un deuxième et il fait ricocher un tir et il met le troisième. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'à se reculer et attendre tout simplement de recharger le barillet. Ce qui prend quand même un petit temps de recharger ce barillet. Plus les obus font mal dans un barillet en général, plus ça va mettre du temps à recharger. Et pendant ce temps-là, bah, vous êtes bien vulnérable, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part croiser les doigts et espérer que personne, qu'aucun rouge ne vous tire dessus. Le barillet qui est en train de se faire, il va pouvoir monter. L'équipe qui s'est à peu près bien répartie sur cette partie-là. Si l'équipe s'est bien répartie, elle bloque bien à tous les niveaux. Il y a même un Batchat qui est parti spotter au milieu. Voilà, il a fini de recharger son barillet. Il s'avance. Nous avons un T10, donc l'IS-8, l'ancien IS-8 qui est sur la droite. Un E100 en face. Le T10, je suis pas sûr qu'il veuille s'avancer. Tank, je pense qu'il va falloir que tu ailles le chercher. Le pauvre, vous lui faites peur, il sait qu'il y a plein de monde, donc du coup il va pas forcément s'avancer. C'est même qu'il ne va pas s'avancer. Il serait fou d'avancer ce pauvre T10. Le TVP qui vient d'éliminer le LTTTB qui était parti chercher le Batchat, enfin chercher, qui était parti spotter le Batchat qui était au milieu. Le T71 vert qui va spotter en fait ce qu'il y a là-bas en face. Un Waffenträger Auffassant qui est tout en haut là-bas. Tank essaye mais voit qu'il ne pourra pas se tourner, donc du coup il décide d'aller vers le T10 et essayer de mettre quelques doses au T10. Par contre ça grimpe pas. Il a du mal à hisser la carcasse du Foch 155 jusqu'en haut de la pente. Il s'avance. T10 qui est un tier 9, mais il a quand même le canon de l'IS-4, donc faut faire attention à cette bête-là. Voilà, il réussit quand même à faire sauter avec 2 obus de son barillet. Il lui en reste un.
Va-t-il utiliser le dernier barillet? Non, le dernier obus, ou va-t-il lancer un rechargement de son barillet? Non, a priori, il veut utiliser le dernier obus, il n'a pas envie de recharger pour l'instant. Waffenträger, il est en train de compter je pense qu'il est en fait en train qu'il était en fait en train de compter les obus qu'était en train de tirer le Waffenträger qu'on a au moins tiré deux, j'en ai vu deux passer, et je me demande si tank base n'était pas en train de compter les tirs que faisait le Waffenträger. Le sang qui a fait mine de reculer. Tank base qui s'est mis en position pour éventuellement lui tirer dessus. Ouf, le sang qui a fait sauter la pauvre bête. Le sang qui a fait sauter le ver qui n'avait rien demandé. Pauvre bête, ça fait mal le sang quand ça pénètre. Ouf, le beau tir sur le Waffenträger auf E100 qui a sauté et lui a bien tiré dans la tourelle, hein. C'est la tourelle qui est moins blindée que le corps a quand même un peu de blindage, même si c'est pas énormissime, ça a un peu de blindage, donc vaut mieux tenter le tir sur la tourelle, surtout que la tourelle en fait elle est très grande. Je sais pas, moi ça me fait penser à une tête d'éléphant, la tourelle du Waffenträger auf E100 qui normalement va être remplacée un de ces jours par le gris 15. Alors est-ce que ça sera mieux, est-ce que ça sera pire, je ne sais pas. J'attends de voir si ça va être mieux ou pire. Aussi bien ça va être pire. Donc ne criez pas victoire trop tôt. Il s'avance, il a bientôt fini de recharger son barillet. Par contre, il a été spoté. Le sang qui est en train de se retourner. Le sang à faire sauter en priorité. Voilà, il le fait sauter. Maintenant, il ne reste plus qu'un IS-3, un tiers 8, qui normalement ne devrait pas pouvoir le pénétrer. Il est réussi à lui mettre une dose. Et c'est le Tigre 2, le Tiger 2 qui le fait sauter. Le Tiger 5, si on veut être précis. Toujours pour embêter les gens qui me disent que je prononce mal. Eh ben, je fais comme je veux. Donc, l'AMX, le Foch, plutôt pas l'AMX, en fait c'est pas un AMX, hein. Si c'est l'AMX 50 Foch, si. L'AMX s'avance paisiblement, il est en train de recharger tank base. Il lui reste encore un peu de temps avant de recharger, avant d'avancer 3 obus. Il reste quand même du monde, hein. Il reste un Waffenträger auf E100, il reste un M48 Patton, un AMX 50B2, non, un T54 et un T49. Le T49 qui peut faire très mal, hein. Si vous arrive dans le cul, ça peut faire très très mal. Mais a priori, ils sont en face et à la base, il ne resterait que le Waffenträger auf E100. Waffenträger auf E100 et la MX50B qui est tout là-bas, tout au fond là-bas. Mais par contre, il est dans le creux derrière la butte. Oh, AMX, non pas AMX, Waffenträger qui est spoté. En plus, il a été totalement surpris. Le conducteur du Waffenträger, il s'attendait pas à ce que quelqu'un lui arrive par derrière. Et c'est Tank Base qui le fait sauter. Il reste un obus, le temps de faire la mise au point. Il tire et il fait sauter le M48 Patton. Il en reste plus que deux. Et lui, Tank Base, doit recharger son barillet. Est-ce qu'il aura le temps de tirer, de mettre une dose à un des deux derniers? Ça, c'est la bonne question. Il se dirige, il abandonne le T49 et il préfère se diriger vers le 50B qui est en train de se cacher là-bas. Peut-être que ses coéquipiers n'ont pas vu où se cacher le 50B, mais enfin maintenant c'est par défaut dans World of Tanks, hein, la dernière position connue des chars. Elle s'affiche sur la map, suffit d'aller dans les options pour l'activer, ou même je crois que c'est activé par défaut, je ne sais plus. Le T49 qui est en train de sauter, voilà le T49 qui a sauté. Et Tank Base qui s'avance vers la cachette du 50B. 50B, es-tu là? En même temps, on ne sait pas trop où il pourrait être. Le 50B, je pense qu'il a abandonné tout espoir. Qu'il était en PLS dans le creux. Non, pas moi. Oubliez-moi, je veux pas. Je veux pas. Et Tank Base le fait sauter. Et il remporte donc un as du char, un gros calibre, un guerrier pour avoir fait 6 kills.
avec son char. Il remporte 1282 d'expérience, 7082 dommages, 7 kills en tout. Vraiment une belle partie de la part de Tank Bass sur un char que je vois pas énormément. Et les tiers 10, je sais plus quand on m'avait reproché que je faisais pas énormément de tiers 10 dans vos as par balle, mais déjà, il n'y a pas que des tiers 10 dans le jeu. Hein. J'estime moi personnellement qu'un bon joueur doit trouver, je suis sûr, à lui plaire dans tous les tiers et doit jouer tous les tiers et pas uniquement des tiers 10. Bah les tiers 10, on m'en envoie pas forcément énormément. Et ça, la MX Foch, bah j'en avais pas énormément en stock. Je crois même que c'était le seul replay d'AMX 50 Foch 155 que j'avais en stock à vérifier. Mais en tous les cas, celui-là, il valait le détour. Je trouve qu'il était vraiment plaisant à regarder. Voilà, ça termine vos as par balle, cet épisode de vos as par balle. Donc, sur ce, bah, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, pour autre chose ou pour la même chose. On verra bien. Allez, sur ce, ciao, ciao, portez-vous bien, faites attention à vous et n'oubliez pas le like, le commentaire, vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, sur ce, ciao ciao, à la prochaine.